Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vous imaginez, il est minuit, je tourne une vidéo pour vous. Pour vous. Non, je fais cette vidéo vraiment pour faire un petit coup de gueule. Parce que les gens qui ont vu ma vidéo précédente, j'étais à Micromania pour précommander la Play 5, etc. Je l'ai encore, je vais même pas l'avoir en temps et en heure. Mais bon, je l'ai commandé, elle va arriver, allez, j'espère en décembre. Janvier, c'est sûr, mais décembre, j'aimerais bien. Mais bon, enfin bref. Et j'ai vu que Sony a augmenté le prix de ses jeux Play 5, 80 €. Pour moi, c'est un scandale. C'est pas normal. C'est une honte, tu vois. Moi, je peux pas accepter que Sony augmente ses prix à 80 €. Il y en a qui vont justifier le prix. Oui, Next Gen veut dire forcément qualité de jeu un peu plus supérieure. Non, je suis désolé. Tu fais en sorte que les gens ne se serrent pas la ceinture pour un jeu. Avant, tu pouvais jouer à un jeu vidéo. Normalement, tu pouvais te faire plaisir. Maintenant, j'ai l'impression, dans les années à venir, ça sera un luxe. Si, quand tu joues à un jeu vidéo, ah ouais, quand même, chaud. Mais ah ouais, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, bientôt dans l'avenir, jouer à un jeu, ça deviendra un luxe parce que tu peux pas... t'imaginer, limite par semaine, non par jeu, s'il y a plusieurs jeux qui sortent par mois, allez, deux jeux ou trois jeux qui sortent par mois que tu aimes bien, ça te fait 80 € à dépenser pour un seul jeu. Et là, je me dis, c'est chaud quand même. Déjà, 70 €, je trouve que c'est cher. Je trouve qu'ils ramassent déjà beaucoup d'argent sur des jeux. Et là, augmenter, soi-disant parce que c'est Next Gen, Play 5, je trouve ça non. Là, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Ça veut dire que, en gros, si moi je dois acheter un jeu Play 5 80 €, moi derrière, je dois bouffer, je dois manger de la purée, tu vois. Je dois me serrer la ceinture pour financer le jeu que je vais acheter. Je vais devoir manger de la purée comme mon gamin. À deux, je vais le comprendre, tu vois, parce que je vais bouffer de la purée. Et ça, c'est pas normal. Et je trouve ça me choque de voir des prix qui augmentent à la hausse alors qu'on ne voit pas vraiment. Je vois pas pourquoi ils ont augmenté le prix. Pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Et j'ai pas vu beaucoup de gens faire un coup de gueule par rapport à la hausse du prix de la Play 5. Et pour moi, ça me fait mal au cœur de dire que je suis un pigeon. Oui, je reste un pigeon. Parce que je vais acheter le jeu à la sortie. Et moi, je sais que clairement, je serais peut-être un pigeon, mais pas un pigeon bête, tu vois. Je serais un pigeon intelligent. Un pigeon qui, voilà, je vais pas aller acheter mon jeu à Micromania. J'espère que Auchan ou les grandes surfaces vont jouer le jeu. Je sais que si je fais en disant ça, je vais peut-être m'attirer la foudre de Micromania. Mais moi, je pense à mon portefeuille. Je veux dire, je n'ai pas assez d'argent pour dépenser autant sur les jeux Play 5. Imaginez un peu, j'ai le casque de réalité virtuelle. Il y a des jeux qui sortent sur le casque. Il y a des jeux qui sortent sur le casque de réalité virtuelle. Donc j'achète. Des jeux qui sortent sur la Play 5. Donc j'achète. Des jeux qui sortent sur le PlayStation VR. J'achète. À un moment donné, à la fin de l'année, je me retrouve à dépenser plus de 1 000 € de jeux. Et ça, c'est pas normal. C'est pour ça que moi, derrière, j'ai envie quand même de garder quelques centimes et de voir que derrière, on va proposer un abonnement pour jouer en ligne sur la PlayStation. Ça commence à faire beaucoup, 80 € pour jouer, pour acheter un jeu. Ça fait cher le CD, tu vois. Non, je ne suis pas d'accord en sachant que dans les jeux PlayStation 5, il y aura des jeux, ça sera des jeux pourris. On va devoir dépenser 80 € sur le jeu. Non, je suis désolé. Pour moi, c'est une grosse arnaque de nous faire acheter un jeu 80 € en sachant qu'à Auchan, j'en suis sûr, le jeu, tu vas l'acheter encore 65 €, 70 €. Clairement, c'est du grand n'importe quoi. Même si je Sony, je suis content, j'ai précommandé la console. Malheureusement, je ne l'aurai pas en temps et en heure. Parce que voilà, rupture de stock au bout de 3 heures, va comprendre le délire. Les gens ne dorment pas, tu vois. Les gens ne dorment pas. Ils étaient tous là devant devant leur carte commandée. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre cette commande. Mais en tout cas, moi, ma console elle va arriver en janvier. Au pire des cas, en décembre. J'aimerais bien en janvier. Je sais pas, je croise les doigts que je vais avoir ma console en
en décembre, c'est ce que je crois. Hein. Je croise les doigts. Et en tout cas, au niveau des jeux, j'irai à Micromania. Micromania, oublie. J'irai chez Auchan. En sachant que Micromania, j'ai la carte Gold. Donc, pour garder la carte Gold, t'es obligé de faire des achats de temps en temps. Cercle vicieux. Mais bon, au moins, t'as la carte Gold. Quand tu la sors, tu vois, t'es fier de montrer ta carte Gold parce que Dieu seul sait combien t'as trimé pour avoir cette carte. T'as dû acheter, faire des achats et tout. Arrive à la fin, t'as le Saint Graal de Micromania. Hey, j'aimerais bien qu'ils font des trophées, tu vois. Vraiment, des trophées, genre, t'as un trophée de le mec qui achète beaucoup de trucs, tu vois. Ça peut encourager des gens à continuer à acheter Micromania, si tu m'entends. Si tu veux que je continue à acheter chez toi, tu fais, là, on est arrivé à la carte Gold. Fais gagner quelque chose au-dessus, genre un trophée, j'en sais rien. Mais un truc, trophée Micromania, j'en sais rien, un délire comme ça. Mais en tout cas, c'est un petit coup de gueule de pigeon. Moi, je crois que le titre, ça sera pigeon. Parce que un jeu à 80 euros, non, ça ne justifie pas. Julien Chies va montrer par X, Y, Z qu'il peut comprendre que Sony augmente ses prix. Ça peut se... Non, ça ne se justifie pas. On a toujours été comme ça. Les développeurs ont toujours gagné de l'argent. Si les développeurs font du bon boulot, la récompense va être derrière. Tu sèmes ce que tu récoltes. À un certain moment donné, tu ne peux pas augmenter le prix du jeu alors que derrière, on n'est même pas sûr que le jeu il sera aussi beau que le prix. Tu vois ce que je veux dire? Non, je suis désolé. Tu sèmes ce que tu récoltes. Moi, je veux bien payer un jeu 80 euros, mais derrière, il faut que ça soit du solide. S'il n'y a pas du solide, moi, derrière, je me fais couillonner, tu vois. Donc voilà, les amis, donc voilà, je sais qu'en commentaire, ça va réagir. Et je sais que vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez que le prix, c'est raisonnable, 80 euros, bon, ça passe. N'oubliez pas une chose, on passe de 80 à 80 euros, dans 5 ans, ça sera 90 euros. Donc, vaut mieux faire une pétition, stopper net, que de laisser faire et on va se retrouver avec acheter un jeu à 100 euros dans l'avenir. Et j'en suis sûr, ça va arriver. Après, je sais pas, des maths ou sans des maths, est-ce qu'on sera dans 5 ans, dans 6, dans 10 ans, est-ce qu'il y aura encore des jeux physiques? Oh là là, je suis pas Madame Irma, j'en sais rien, on verra bien, mais pour le moment, à l'heure actuelle, je suis encore vivant et je vais faire en sorte que il faut que Sony revienne en arrière. 70 euros, je trouve que c'est très bien. Si les développeurs jouent le jeu, les joueurs seront derrière pour acheter, ils vont amortir le coût du développement. C'est juste ça, ça sert à rien d'augmenter le prix, de nous expliquer par Pierre-Paul Jacques qu'ils ont augmenté les effets de lumière de l'autre côté, ils ont mis des grains de beauté sur le visage de je sais pas qui et du coup ça fait augmenter. Non, c'est tout, le prix c'est le prix. Non, je suis désolé. Donc voilà les amis, donc voilà, c'est une petite vidéo encore une fois, une fois que je commence à parler, j'ai du mal à m'arrêter. Fin de jeu vidéo, évidemment, de la réalité virtuelle. Salut les amis, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.